Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonsaiculture.fr, aujourd'hui consacrée à la 97e édition de la Kokufu Bonsai Ten, qui est l'expo la plus prestigieuse de bonsaï au monde, enfin l'une des plus prestigieuses, et en tout cas c'est la plus ancienne car la première édition date de 1934. Elle a lieu chaque année au Metropolitan Art Museum de Tokyo, qui est situé dans le parc d'Ueno. Et c'est une référence dans le monde du bonsaï en termes d'exposition. C'est donc la plus ancienne, hein, puisqu'elle date de 1934, et j'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo précédente avec Rémi Sanson, car il possède les premiers exemplaires des livres des premières éditions, celui de 1934, de la toute première, mais également 1935 et 1936. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez accéder à cette vidéo et voir de quoi il s'agit. En fait, chaque année, un livre catalogue de l'exposition est édité après l'édition en question et il contient l'ensemble des arbres qui sont présentés lors de l'événement. La Kokufu Ten a toujours lieu en février et se divise en deux parties. Cette année 2023, la première partie avait lieu du 9 au 12 février et la deuxième partie du 15 au 18 février. La première partie, d'une durée de 4 jours, présentait 140 arbres sur deux niveaux et ce fut autant de bonsaï présentés pour la deuxième partie, soit un total de 280 bonsaï de très haute qualité qui furent ainsi exposés lors de la 97e édition. Il faut bien deux parties pour présenter l'ensemble des arbres, au vu du nombre de 180 bonsaï présentés, ça pouvait pas tenir dans le musée, dans la partie où a lieu l'exposition, c'est pour ça qu'il y a deux parties. Et puis ça permet de changer le délai entre les deux parties, permet de remplacer les bonsaï et de refaire les présentations. Pour pouvoir présenter un arbre à la Kokufu Ten, il faut être membre de la NBA. Alors, pas la NBA, la ligue de basket américaine, mais la Nippon Bonsai Association, car c'est elle qui organise l'événement et qui publie également le livre catalogue de l'expo. Autrefois, il était interdit de prendre des photos, c'est toujours le cas, il est interdit de poser un pied de caméra dans le musée, il est également interdit d'utiliser le flash, mais les évolutions techniques font que les photos prises au smartphone ne semblent pas vraiment poser de problème à l'organisation, tant l'ensemble des visiteurs et des visiteuses mitraillent les bonsaï exposés. D'ailleurs, vous avez pu le voir sur les réseaux, puisque aujourd'hui, quand la première partie de la Kokufu Ten a lieu, le premier jour d'exposition, on a droit à des photos et des vidéos sur les réseaux, c'est pratiquement instantané. Le nom Kokufu Bonsai Ten, qu'on pourrait traduire par exposition de bonsaï de style japonais, est dérivé de l'idée que le bonsaï est une forme d'art unique qui exprime la beauté naturelle enracinée dans le climat japonais. Et le nom Kokufu est resté inchangé depuis la première édition qui s'était tenue au musée d'art d'Ueno en 1934. Cette année, il y avait plusieurs arbres exposés qui venaient de l'étranger, puisque sur les 280 arbres exposés, il y en a un certain nombre qui n'étaient pas des arbres japonais, et on avait notamment 5 arbres d'Italie, c'était les plus représentés hors Japon pour l'étranger, 2 arbres des USA, 2 d'Allemagne, 2 de Thaïlande, 1 d'Angleterre, 1 du Sri Lanka et 1 bonsaï de Chine. J'ai pu interviewer Oyakata Toru Suzuki de Daiju-en qui m'a précisé qu'en 2026, la Kokufu Ten célébrera son 100e anniversaire. C'est une date importante pour la Nippon Bonsai Association et elle envisage d'ailleurs de planifier de nouveaux projets tout en maintenant la qualité de l'exposition en tant que référence dans le monde du bonsaï auprès des artistes et des amateurs de bonsaï du monde entier.私は愛知県岡崎市大樹園の鈴木徹です。今回の国風展の実行委員長をやっております。今年の出品の中ではやはり心拍という種類が非常に多く見られます。そして海外からの出品もたくさん出品されております。今回は97回という回 回数を重ねております。もう少しであと3年経ちますと100回という回数になります。国風展はやはり日本でも最高峰の展示会でありますから、ぜひフランスの方々も一度ご覧になってください。